C'est l'heure des bilans. Je vous présente mon bilan de fin de saison de la Renegade XRS 900S Turbo. Une machine intéressante, une machine le fun à conduire. Une machine qui a fallu faire beaucoup d'ajustements pour être capable de garder les skis au sol. Déjà, au niveau du châssis Gen 4, ce qui est intéressant, c'est avec plus de poids dans le devant de la motoneige, je fais en sorte que c'est un peu plus facile qu'avec un modèle 2 temps où le devant est beaucoup plus léger. Donc, du côté des skis maintenant, pilote TS, il faut jouer avec, il faut sortir, il faut rentrer, il faut s'amuser avec les skis pour être capable d'avoir du plaisir et avoir de l'adhérence dans toutes les conditions. Donc, plus on a rencontré des conditions qui étaient molles, plus il fallait sortir les skis, ce qui est tout à fait normal. Dans des conditions plus dures maintenant, il faut remonter les lisses pour être capable d'avoir moins de contre-coups au niveau du guidon. Au niveau de l'ajustement maintenant des skis pilote TS, donc on tourne la roulette. Si vous regardez ici l'ajustement, on voit l'ajustement, là je suis en position 2. Donc plus je visse, que je tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, je descends la lisse, qui me donne plus de traction sur l'avant, plus de traction en virage au niveau des skis. Donc là je suis rendu pratiquement en position 3. Côté suspension, c'est sûr que c'est un XRS, c'est une machine de bosse, c'est une machine qui est conçue pour faire de la grosse bosse. Donc, on a travaillé beaucoup au niveau de la résistance interne des amortisseurs, les petites valves rouges au niveau des amortisseurs, on a baissé ça au minimum pour trouver un bon niveau de confort. C'est sûr que si vous êtes un conducteur très agressif, que vous aimez faire de la grosse bosse, à ce moment-là, on va redonner un peu de résistance pour être plus résistant dans les grosses bosses, pour avoir vraiment un bon taux d'amortissement. Donc, le bolide étant équipé du système Quick Adjust qu'on appelle, donc la précharge des amortisseurs arrière s'ajuste sur le marchepied du côté gauche. Donc, on a roulé pas mal tout l'hiver, entre 2 et 3. Je pèse environ 200 livres habillé. Donc, entre 2 et 3, la précharge au niveau des amortisseurs était suffisante pour être capable de faire la saison. L'ajustement du côté droit maintenant sur le marchepied du côté droit du véhicule, c'est la résistance interne de l'amortisseur. Donc, comme les KYB Pro 40, c'est des gros amortisseurs, on a diminué la précharge, j'ai diminué la précharge au maximum pour être capable d'avoir plus de souplesse au niveau de l'amortisseur arrière. Couplage arrière, côté des blocs rouges à l'arrière, donc on a travaillé tout le temps à 3 ou à 4 pour être capable d'avoir le moins de ski lift qu'on appelle, que les skis demeurent au sol en tout temps, même en sortie de virage. Donc, pour jouer au niveau de l'ajustement, là, le bloc est en position 3. Très simple, on vient appuyer sur le bouton rouge, puis on tourne le bloc tout simplement pour que les chiffres donnent en position arrière vers la butée de caoutchouc. Donc, j'appuie, je tourne le bloc, et voilà, il est clipsé à la bonne place en position 4. Côté consommation maintenant, le 900S Turbo, on a roulé tout le temps dans l'entour de 13 à 16 litres au 100, 16-17 litres au 100, tout dépendant de quelle façon on conduit. C'est sûr que plus on est agressif avec une motoneige, plus on va consommer, moins on l'est, bien, plus on va aller chercher du bon millage au galon, beaucoup de kilomètres au litre avec le 900S Turbo, malgré la bonne performance. En comparaison avec le 850, on l'a comparé beaucoup, beaucoup, toute la saison avec un 850. Donc, lorsque la température est beaucoup plus douce, on dirait que la calibration du moteur et des embrayages fonctionne mieux. On retrouve une motoneige qui est encore plus performante quand les températures sont plus douces que lorsqu'il faisait très froid. Lorsqu'il faisait très froid, on avait un 850 qui était plus rapide un peu. Et lorsqu'on tombe dans des températures plus douces, là, le 900S Turbo se tient très, très, très près des mêmes performances que le 850. Donc, ce côté-là aussi, super cool. Vraiment, ils ont très, très bien réussi. Je pense que c'est un véhicule et un moteur qui a beaucoup d'avenir dans l'alignement de Ski-Doo pour les prochaines années. On tient à remercier le groupe Content pour le prêt de la motoneige. Et puis, on vous souhaite une belle fin de saison.